Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, 10h30. Il fait encore chaud, mais moins. Ils ont annoncé de la pluie normalement hier soir, mais il est tombé 3 gouttes. Là, c'est très grisonnant. Donc, normalement, d'après ce que j'ai vu, on devrait avoir de la pluie aujourd'hui. C'est vraiment. Alors un peu ensoleillé, un peu gris, vous voyez, c'est un peu comme ça. Bon, les fleurs vont toujours bien. Les tomates poussent. La salade, c'est pareil. C'est impeccable. Tout ce petit monde va bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais rien avoir de particulier. Je suis en train de vous préparer les menus, enfin de préparer mes menus, pas vos menus, les miens. Voilà. J'ai trouvé des idées pour la semaine prochaine. Après, on va reprendre les prêts puisque l'école va reprendre pour Ilan. Il n'a pas hâte. Je vais faire des menus avec ça. Sympa, rapide. Bon, pas tout, mais les petites idées que j'ai prises là-dedans. Voilà. Je vais vous montrer mon petit colis, je ne vous avais pas montré. Je vais aller à la cuisine, si vous voulez, on va m'embêter. C'est mon fief ici. Je vais essayer de vous poser sans vous bousculer. Ah. Voilà. Là. Bon, c'est rapide, on a des petites choses. Moi, je vais vous montrer quand même. Donc c'est un colis Party Light. Il y a fort longtemps que je n'avais pas commandé là-bas. Je fais un peu de bruit. Non, ça y est. C'est bien emballé, hein, vous voyez, c'est plein de petits papiers. Donc j'ai pris ceci, c'est des petits réchauds. Alors, par contre, je ne sais plus la senteur. Citron. Ça sent super bon. On est comme ça. J'en ai pris une grosse, elle était à moitié prix, hein, donc je l'ai prise. J'ai pris une comme ceci. Donc là, les petits, attendez, je vous ai marqué le prix quelque part. De toute façon, tout est en promo. Il y a ça à 5,88 €. Il y a des remèdes là-dedans, il y en a 12, je crois. Oui, il y en a 12. Et ceci a été à moitié prix aussi à 24,95 €. Bon, forcément, c'est cher, mais ça dure extrêmement longtemps. Moi, j'en achète qu'une pour tout l'hiver. Même plus que ça. L'été, en général, je n'utilise pas. Bon, je vais aller ici, là. Cet hiver. Je vais essayer de la sortir. La fasse pas tomber. Donc, voilà, c'est un gros pot comme ceci. C'est une 3 mèches. Voilà, ça sent super bon. Ça sent super bon. Vanille, vanille pêche. Super bon. Donc voilà, pour mon petit plaisir de mes vacances. Voilà. Et puis sinon. Il en dort encore, hein. Évidemment, il profite. Je pense que cet après-midi, si ça dépend du temps, on va aller acheter ses vêtements pour la rentrée des classes. Ça n'a pas fini. Aujourd'hui, il va dépendre du temps. Je vais peut-être attendre plutôt ce week-end, mais je pense qu'il y aura du monde. Excusez-moi, je vais boire un coup. J'ai soif. Hein. Il fait soif, ça change du café. Donc je pense qu'on va faire ça. Je sais pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc, de toute façon, je vais reprendre en cours de route. Hein. Je ne sais pas ce que je vais vous faire. Mais après les recettes, je pense qu'il n'y aura rien. Je vais faire un chili, mais bon, vous connaissez, hein, faire un chili. Bon, je vois, peut-être que je vous filmerai. On verra. Ce sera la grande surprise.
Bon, en tout cas, pour le moment, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouvera donc un petit peu plus tard. Un petit coucou. Nous sommes partis se promener, faire, enfin, se promener, dépenser de l'argent au parc. Au parc. Dans des magasins. Mais en même temps, nous nous sommes arrêtés pour prendre une petite pause. Un petit Coucou. coucou, Diane. Dis bonjour, Ilan. Bonjour. Coucou. Ne bouge pas trop pour que je puisse mettre les codes après. Je vous fais plein de bisous. Alors, vous ne les verrez pas parce que je mettrai un petit bonhomme sur sa tête, évidemment. Donc, voilà. Alors, on a été faire les achats. Voilà. Ilan. Voilà, entre les classes. Et on s'est pris donc un petit. Bon, on n'avait pas mangé, alors Yann s'est pris un petit sandwich poulet rôti. Puis moi, je me suis pris un petit café. Enfin, c'est une formule, mais moi, comme je ne mange pas tout, du coup, je vais boire le café et la tartelette aux pommes. Et puis Yann, lui, il mange son petit casse-croûte. Donc voilà, écoutez, on se retrouvera donc un petit peu plus tard. Alors, je vais vous montrer un petit peu les alentours. Hop, je me lève. Voilà. On avait mangé là-bas la dernière fois. Bah oui. Tout le temps. Voilà. Voilà, c'est super calme, il n'y a personne. Il est 14h. Il est 14h, mais bon, c'est Elle mois est d'août. 0,5. Et il pleut, en fait. Il vient de tomber une petite averse, là. Mais il fait très lourd, hein, pour le coup. On est heureux. Voilà, on est rentré. Je viens de vous filmer le retour. Des affaires pour Ilan. Y a un bavard. Voilà, il y en a partout. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais décrocher toutes les étiquettes. Je vais tout mettre au lavage. Et à part la tenue pour ma petite poupée. Je vais l'emballer puis je vais l'offrir à ma fille. Et voilà. J'ai arrangé ça, c'est une chose de faite. Voilà, au moins ça, je suis débarrassée, c'est fait. Demain, demain, je préparais les cahiers, les étiquettes à mettre dessus, tout ça. Là, bon, ça va aller vite, hein, tout est déjà prêt, presque prêt, donc ça va être rapide. Et comme ça, pour l'école, ça sera réglé jusqu'à la rentrée, parce qu'il manquera probablement des fournitures. S'il y a des profs qui n'ont pas donné la liste. Donc, on verra ça. Oui, il fait toujours chaud, hein. Et là, ça s'est bien rafraîchi. Enfin, bien rafraîchi. Oui, ça s'est rafraîchi. On doit être à 27 ou 28 degrés là. J'ai un peu plus respirable, il a plu. Et il y a un petit peu de vent. Ça va les meufs. Apparemment, ils ont prévu de la pluie après. Hein, j'ai vu. Normalement, ça va rafraîchir un peu. Après, un peu pour tout le monde, ça va faire du bien à tout le monde. Hein. Et même Madame Nature, hein, qui est bien sèche. Hein. Donc voilà. Bon, samedi, j'irai probablement au marché. J'ai préparé mes petits menus pour la semaine prochaine. Bon, ça va être du rapide encore. Ça va être du rapide. Bon, il y aura des petits trucs, mais ça va être des recettes super simples. Bon, il y en a quelques-unes que je vous présenterai. Mais je ferai pas des. Là, comme ça va être des trucs super rapides, je ne ferai pas des vidéos à part. Je les mettrai dans le vlog. Non, parce que ce sera des petites choses vite bien fait. Il y aura un risotto de coquillettes à l'ail, il y aura des gnocchis au gratin surimi. Je vais faire bon, le poulet à l'ail, par contre, là, je vais vous le faire là. Il y en a une d'entre vous qui m'a posé la question de savoir si je pouvais faire une vidéo sur les opérations du bypass, quoi. Moi, j'ai un bypass. Je pense qu'elle pense que j'ai une sleeve, mais j'ai un bypass, moi. Alors oui, je peux le faire. Après, il faut que tu me poses des questions avant, parce que s'il y a trois questions et que tu es toute seule à me demander, tu n'hésites pas, tu me demandes. Je ne vais peut-être pas faire une vidéo spéciale pour ça si tu es toute seule à voir. Tu vois? Donc tu me poses si tu as envie. Et puis, une journée dans mon assiette, j'en avais fait une, mais il y a longtemps, c'était ma première chaîne. Mais après, je peux vous faire une journée dans mon assiette à moi, si vous voulez. Je peux. Ça sera peut-être moins compliqué. Parce qu'une sleeve et un bypass, on ne mange pas encore de la même façon. Pas pareil. Donc voilà, je peux.
Samedi, je vous parlerai aussi de la carte Carrefour. Si vous m'avez posé cette question-là, j'avais pas, ça, j'ai pas encore fait. Je suis à la bourre. J'essaie de tenir le cap, mais là, il faut que je fasse tout avant de reprendre le travail. Donc, tous les gros trucs comme ça, Carrefour, je vous la ferai probablement samedi après mon retour de course. Voilà, comme ça, comme mon retour de course, il n'y aura pas grand-chose. Je pense que ça ne durera pas longtemps. Je vous ferai soit derrière le retour de course. Je ne vais pas faire ça, une vidéo spéciale pour ça, ça va être rapide. Mais par contre, il me faudrait un catalogue pour que je puisse vous montrer. Parce que moi, comme mon application, elle est sur mon téléphone, vous n'allez pas bien voir si je vous montre ça avec le téléphone. Enfin, c'est moins pratique. Donc, je vais essayer de trouver je vais aller chercher un catalogue. Comme ça, je pourrais vous montrer plus facilement avec le catalogue. Des petites choses. Et puis voilà. Donc, je pense que samedi, non, c'est pas je pense, samedi, si ils tombent pas des cordes, j'irai au marché. Bon, si vraiment il pleut trop, j'irai pas. J'irai ailleurs. C'est pour être. Bon, si ça. Par où je vais cogner contre le... la porte. Si ça pleuviote, c'est pas bien grave, mais si il pleut trop, c'est pas agréable. Donc, on a été manger un petit peu, vous avez vu, hein, on a fait une petite halte, du coup, on est parti. En fin de matinée, donc on n'avait pas mangé. Donc moi, j'ai bu mon petit café. Je voulais manger la tarte aux pommes, mais c'était immangeable. C'était dur comme du béton armé. C'était bon, c'était bon. Franchement, alors le café, par contre, était très bon. Le café était... Moi, je ne bois pas de café fort. Hein. Et le café était bon. Mais la tartelette, même Milan ne l'a pas mangée. Parce qu'elle était... Alors la pâte, c'était une pâte sablée, mais c'est vraiment, elle n'est pas datée de 2 jours, à mon avis. Elle était vraiment super dure. Et en plus, elle était hyper sucrée. Alors, elle était jolie comme ça, mais... Allez, je vais faire une bêtise, là, je sens. Je sens que je vais faire une bêtise. Je vais vous poser 2 secondes. Voilà. Ne vous tombiez pas. Je suis désolée pour le bruit, hein. Je me crois toute seule, hein, vous savez. J'ai pris l'habitude de vous parler. Hein. Quand je reprends le travail, ça va me manquer. Je vais parler toute seule. Mes mamies vont dire mais qu'est-ce qu'elle a là, Céline, elle est partie en vacances, elle va pas bien. Non, j'essaierai de faire des petits trucs aussi, mais je ne ferai pas des vlogs tous les jours, je pourrais pas là, mais le lundi en général c'est mon jour de congé, donc je pense que je ferai un week-end sur deux comme un week-end sur deux je travaille. Donc, je vais voir comment je vais vous payer ça, mais je vais trouver un petit moyen pour vous faire des petits moments quand même. Non. Ce sera faire ça. Et puis voilà, je vais faire un petit café. Je vais mettre tout le linge au lavage. J'ai tout lavé. Parce que tout va bien, il a tout essayé, tout est impeccable, donc c'est parfait. Je vais laver, je n'aurai plus qu'à repasser, ranger. Et ce sera le père à se laver, j'en ai un petit peu, pour le passage à faire. On va attendre qu'il fasse moins chaud. Normalement, je le fais le jeudi le repassage, mais là, bon, ça va pas être. Quoi que ce soir, si je suis courageuse, peut-être que je vais faire ce soir du coup. Des habitudes de vieille. Hein. Sur le passage le jeudi. Bon, sinon, je vais vous laisser là pour le moment parce que je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'est la bouilloire en route, ça fait un peu du diable. Et puis voilà, ce soir, on va manger. Il y a un peu de reste de poulet aux olives que j'avais laissé. J'avais congelé la moitié, mais l'autre tiers, c'est encore un morceau. Yann va le manger ce soir. Et moi, il me reste un peu de salade. Je pense que je vais manger ça. Aujourd'hui, ça ira. Et puis demain, je ne sais plus ce que j'avais prévu. Ah, je crois que c'était courgette farcie, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Non, après, il n'y a pas vraiment de jour. Hein. Comme je dis, je l'ai fait et puis j'ai ce qu'il faut. Après, je te peux. Bon, si demain, je n'ai pas le courage, je te ferai après demain, oui. On ne se met pas la pression. Hein. À demain. Ah oui, c'est ça. C'est la courgette farcie. Avec de la semoule. Donc, je pense qu'on va manger ça demain. Bon, ça, je ne vous la filmerai pas. Hein. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous savez faire ça. Et j'avais prévu aussi un chili. Mon chili, c'est pour ce week-end. Bon, ça, je pense que je vous le filmerai. Mais je vais le faire à la mijoteuse. Voilà.
Bon, écoutez, je vais vous laisser pour le moment. Et puis, bon, on se retrouve un peu plus tard. Hein? Plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes vendredi. Il est déjà... Il est 16h30. Je prends un petit peu tard, hein, mais ce matin, moi, je fais pas mal de petites choses à la maison. Bon, j'ai changé tout le drap, tout ça. Hein. Il y a la petite routine, il y avait la poubelle, enfin, c'est en train de sécher dehors, hein, tranquillement. Je vais aller vider la poubelle qui se trouve là. Là, j'ai mis la poubelle donc à tremper. Là-bas, la courgette ronde que vous voyez, elle va être mangée tout à l'heure. Voilà, je vais la faire tout à l'heure. Et je vais faire aussi lasagne. Donc là, j'ai mis à décongeler mes pots que je mets au congélateur. Vous voyez, je ne les remplis pas complètement. Hein. Donc là, par contre, il ne faut pas les mettre. Il faut les laisser décongeler tranquillement. Hein, parce que sinon, le pot, il pète. Hein. Donc, j'en ai sorti deux. Il y en aura un, ça sera pour la viande hachée pour les lasagnes. Et l'autre, ce sera pour la farce de la courgette. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à monter et à mettre dans l'air frayeur. Ça sera rapide. Tout express en ce moment. Parce que c'est bien. Là, c'est pareil. J'ai un colis qui est prêt que je vais l'envoyer, mais je ne vais pas l'envoyer aujourd'hui. Je l'enverrai probablement demain matin en allant au marché. Et là, c'est un peu de couture que j'ai fait parce que Lan avait craqué un de ses pantalons, une poche. Donc, je l'ai réparé avant que ça prenne de l'ampleur. Là, je vais aller faire un tour à Carrefour parce que demain, je compte aller donc au marché en espérant que le temps se maintienne. Donc, je vais aller à Carrefour maintenant, comme ça m'évitera de faire les deux demain matin. Et puis, voilà. Et voilà, ce sera donc une chose de faite. Donc, comme ça. Parce que bon, et si vraiment il pleut, là il pleut pas, mais c'est un coup oui, un coup non. Mais il fait encore lourd hein, quand même malgré tout. Hein. Enfin, il fait lourd, il fait beaucoup moins lourd, hein. Faut pas déconner, faut pas exagérer. Mais il y a quand même, enfin c'est dans les appartements qu'il fait lourd en fait. La chaleur s'est engouffrée et puis tant que ça reprenne la température dite normale, voilà, ça prend un petit peu de temps. Et je sais plus ce que j'allais vous dire, j'en ai mangé la moitié de la commission. Donc là, je vais donc aller à Carrefour. Demain, je vous ferai le retour du marché, mais je mettrai les deux en même temps, comme j'ai fait la semaine dernière, en fait. Voilà. Et puis en même temps, je vais aller chercher donc, le catalogue à Carrefour. Il ne faut pas que j'oublie. Je vais le marquer d'ailleurs sur ma liste, sinon je risque d'oublier. Moi, je marque tout, hein, sinon j'en oublie la moitié en cours de route. Et puis comme ça sera une chose de faite. Catalogue, j'espère qu'ils vont en avoir. Non, normalement, il y en a un. Comme ça, je pourrais vous expliquer en même temps comment on fonctionne. Tout à l'heure, j'ai failli vous montrer les oiseaux, j'ai juste failli. J'ai pas eu le temps, je les entendais fort chanter. Je me suis un peu approchée, puis à un moment, on les a vus. Un petit 2 secondes, quand je prenais le téléphone, en fait, et la maman était déjà rentrée dedans. J'ai appelé Glenn, Glenn les a vus aussi. Il m'a dit, oh, c'est moche, super. C'est vrai que c'est pas très joli, quoi. Hein. Ils sont en plumée, mais ils ont un poil à droite, un poil à gauche. C'est mignon, hein, ceci dit. Mais ils devaient s'attendre à les voir tout plumé, tout beau, mais voilà. Donc, je pense, d'après le plumage, je pense qu'il y a un garçon déjà. En tout cas, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de. C'est très souvent des mandarins, ils ont la collerette orange autour du cou, et mâle. Et là, celui que j'aperçois, alors, pour l'instant, j'en vois qu'un. Alors, est-ce qu'ils sont tout rikiki, tout. Non, je sais pas. En tout cas, il y en a un qui a bien le bec en l'air et on l'entend bien celui-là. Bon, peut-être qu'il n'y en a qu'un, hein, ceci dit. Hein. Franchement, je ne sais pas. Donc, on verra bien. Quoique là, ils sont en train de manger, peut-être que je pourrais vous les montrer. Je vais voir. Oui. Je vais mettre de loin. Quand je m'approche de trop, il se rapproche du nid. J'essaie de mettre un peu zoom là, je vais essayer de faire ça. Je ne suis pas très doué, hein, on va essayer. Non, ça ne va pas. Le problème, c'est que comme il y a les barreaux, ça fait focus sur les barreaux. Non, puis là, il dort, je pense. On n'entend rien. Je pense qu'il dort pour le moment. Ils feront la java plus tard.
Donc voilà. Donc là, je vais faire ça et puis on se retrouvera un petit peu après. Dans l'après-midi, je pense, enfin tout à l'heure. D'accord? Bon, moi je vous dis à tout à l'heure. Bon, bonsoir. Bon, je vous reprends, on est le même jour, hein. Nous sommes toujours vendredi soir. Bon, là, il est un peu tard. Il est 21h30. Il fait déjà super nuit. Le jour commence à. Non. Non, il fait nuit noire. Bon, j'ai passé un petit peu de temps en cuisine. Je vais vous montrer ce que je fais. Je n'ai pas fait grand-chose, mais bon. Donc là, j'ai découpé des carottes qui vont rester dans le frigo, là, dans le bas du frigo. Un petit peu de courgettes aussi. Là, j'en ai laissé un petit peu. J'ai coupé pour demain pour Léon, pour sa gamelle. Là, j'ai fait des petites carottes râpées. J'ai fait donc des lasagnes à l'air fryer. Donc, bah, si vous étiez prêt, hein, vous mettez dans l'air fryer. Et puis, alors, je les ai laissées 12 minutes à 200 degrés. Donc, c'est un petit plat. Hein, c'est des petits plats. Allez, mon paquet de lasagne à côté. Il est aussi gros que le paquet de lasagne, quoi. Et là, j'ai fait un moelleux au chocolat à l'air fryer. Donc, il est tout chaud. Enfin, c'est un moelleux à la poire, normalement. Donc, c'est une recette que j'ai empruntée à quelqu'un qui a une chaîne. C'est la cuisine facile de maman. Donc, si vous voulez la voir, vous pouvez. Elle est super sympa. Elle fait des retours de course et puis elle fait plein de petits gâteaux super sympas. Moi, j'aime bien essayer les gâteaux des autres, en fait, hein, comme je suis pas très douée en pâtisserie. Alors, j'avais peur qu'il déborde parce qu'en fait, comme je l'ai fait à la fryer, le plat est pas très grand. Et là, j'ai juste de sortir. Hein. Mais bon, il a l'air plutôt super bien. On verra. Alors moi, par contre, j'ai triché. Alors, il a une couleur un peu comme ça parce que je l'ai fait au chocolat. Elle l'a fait poire simple. Et moi, j'ai fait poire et chocolat. Là, par contre, il a pris un petit coup de chaud. Ouais. C'est là, j'aurais dû mettre un plat un petit peu plus grand. Mais bon, voilà. Avec l'air fryer, j'apprends pour la pâtisserie. Mais bon, il me paraît bien. Je vous montrerai demain quand je te couperai. Tout à l'heure, mais bon. Je ne peux pas vous prendre, mais ça se décolle bien en tout cas. Sans beurre, sans rien. Voilà. Bon, juste le dessus, là, je vais l'enlever parce que ça va pas être super bon. Voilà. Donc, la prochaine fois, je mettrai un petit peu moins fort l'air fryer. Donc, je l'ai mis 30 minutes. Donc au début je l'ai mis à 200, puis après j'ai baissé parce que j'ai vu que ça chauffait sur le dessus. Donc après je l'ai mis à 180 degrés. Mais j'aurais dû laisser en fait tout le long à 180 degrés, je pense que c'était suffisant. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Bon, pas grand-chose, mais bon. Ça sera fait pour demain. Comme ça demain matin, j'irai faire un tour sur le marché. Et puis comme ça, quand on rentrera pour les lasagnes, on aura fait qu'à les réchauffer. Rapidos, enfin Ilan surtout. Comme ça, si je rentre un peu tard, sans de faire le retour et tout, si la faim, ça sera fait. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais essayer de voir là pour le catalogue. Je vais me pencher un peu, voir ce que je peux vous dire rapidement les grands axes. Et puis voilà. Et maintenant, je vais aller promener le chien. C'est l'heure. C'est l'heure, il est un peu tôt, mais je vais ressortir un peu avant de dormir. Je crois qu'il dort. Donc il dit rien, je vais laisser. Il est bien niché. Et là, il m'a sorti il n'y a pas très longtemps. Faut que je rejoins, je sais, il faut que je rentre. Il est sec avant d'aller. Ouais, il est sec. Je vais le rentrer comme ça, il ne va pas prendre l'humidité. Et puis voilà, ça sera fait. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser pour ce soir et puis je vous dis donc à demain. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dormez bien, reposez-vous bien. Et puis voilà, à demain. Ah, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais préparer donc le chili. J'ai la mèche rebelle. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez avoir besoin. Et puis je vous montrerai après. Hein, je vais la faire à la mijoteuse. Donc, là, attendez, je vais un petit peu loin là. Hop. Alors, du sel, du poivre,
de l'origan, du cumin, la pulpe de tomate que j'ai acheté ce matin. Là, j'ai nettoyé, rincé une petite boîte de maïs et une petite boîte d'haricots rouges. Bon, de la viande hachée, évidemment. Ou du bœuf, hein, si vous voulez. Enfin, du paleron ou quelque chose comme ça. Un oignon que j'ai coupé. Et ça, c'est mon piment végétarien que j'ai coupé, que j'ai acheté ce matin. Et une gousse d'ail où j'ai enlevé le germe. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à la poêle. Parce que moi, ma mijoteuse, elle ne saisit pas. Donc, je vais faire saisir juste dans un petit filet d'huile. Hop là, attendez, je vous vois bien. Je vous dis attendez comme si vous m'entendiez en fait. Je ne vous ai pas mis sur la bonne hauteur. Attendez, je vais vous changer de place. Voilà, il y a deux trucs. Hop, voilà. Je ne vous ai pas mis sur le bon truc. Donc là, vous faites revenir votre oignon et votre piment. Ça pique pas, hein. C'est un piment végétal. Végétarien. Donc vous faites juste revenir un petit peu comme ceci. Hop, rapprocher encore un peu. Voilà. Une brette bon là. Un petit peu haut, hein. Il n'y a rien qui va. C'est pour le retour de course. Du coup, je suis obligée de vous relever. Et voilà. On est bon. Alors là, vous allez assaisonner un petit peu. Mettez un petit peu de poivre. Pareil, hein, suivant vos goûts. Un petit peu de sel. De l'origan. Bon, je vais mettre une bonne cuillère à café. C'est ça. Bon, un petit peu moins. Une cuillère à café, mais pas trop pleine. Après, ça dépend de la quantité. Hein. Moi, c'est des petites boîtes que je vais faire. Hein. C'est pas une grosse quantité. Et un petit peu de cumin. Cumin, je vais mettre la moitié d'une cuillère. Et c'est tout. Vous remuez un peu ça. Tant que ce soit saisi un petit peu. Il y a la machine à laver en route, hein, vous risquez de l'entendre. De toute façon, ça c'est très rapide. J'ai oublié qu'il y avait la machine à laver en route, je suis désolée. Hop. On va voyager un petit peu. Donc là, je vais mettre la mijoteuse. Alors pour ceux qui demandent, je vais vous la montrer. Vous la trouvez sur Amazon. Voilà. Donc là, on ne met rien dedans. Hein. Donc là, ça fonctionne comme ça. Là, je vais mettre ma viande à l'intérieur. Bon, c'est du chili express, hein. C'est pas le chili typique, hein. C'est le mien. Bon, je vais en faire un peu plus, comme ça il y aura une part pour la semaine de la rentrée des classes. Hein, c'est ce que je fais en ce moment, comme ça. La première semaine, tant qu'on s'organise, ce sera bon. Donc là, je vais la mettre
Cuisson lente, mais normale, hein, pas extrêmement lente. Ça, il sera prêt pour ce soir. Après, tout est cuit, hein, il n'y a que la viande, hein, donc ça va être rapide. Là, vous rajoutez vos petites épices pour un petit peu près de couleur. Vous allez rajouter, donc moi je mets l'ail en entier comme ça. Mais soit vous le mangez, soit après vous l'enlevez, vous faites comme bon vous semble, hein. Comme vous aimez. Là, mes haricots rouges, c'était une boîte de 255 grammes une fois égouttée. C'est les petites comme ça. C'est pas la toute grande, la moyenne. Et le maïs, c'est une toute petite boîte, les bébés boîtes. On les remet un petit peu tout haut. Alors, il y en a qui mettent du sucre pour la tomate. Moi, je vous ai déjà dit que je n'en mettais pas. Ça ne me posait pas de problème. J'aurais dû faire ça avant. Vous mettez le tout. Remuez un petit peu tout ça. Et on va laisser ça mijoter tranquillement. Là, je vais rajouter un petit peu d'eau encore. N'y a pas d'évaporation d'eau, hein, donc il ne faut pas mettre de trop, mais il faut un peu de sauce quand même, hein. Là, comme ça va suffire. Pour moi, après, vous faites, si vous voulez plus juteux. Donc voilà, vous laissez ça comme ça. Et c'est bon. Voilà. On laisse ça fermer. Et c'est parti. Alors moi, par contre, je vais mettre. Voilà, ça va être prêt. Oups. Bon, voilà. Bon, c'est du rapide. Je vais me prendre. Voilà. Je vais essayer de mettre ça là-bas. Bon, je rajoute après. Bon, bah ben, oui, c'est super rapide. Ça va mijoter pendant jusqu'à soir. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 4h30. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, bon, je fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour le fini. Je vais vous montrer un petit peu ça. Je vais vous descendre. Non, il est 19h20. Il est. Donc, ça fait un petit moment que ça mijote. On va l'arrêter. Donc, voilà ce que ça donne. C'était bien cuit.
Impeccable. Voilà. Après, je vais laisser comme ça, il va rester chaud, puis après, je le mettrai au frigo pour demain. Et je ferai des petites barquettes en plus. Voilà. Bon, là, j'ai sorti la petite laine. Là, je pense qu'il va y avoir un fort orage. Là, j'allume les lumières parce qu'il fait vraiment très sombre. Il fait même très sombre. Il fait tout nu, tout noir. Vous voyez, il y a le vent qui se lève. L'orage, moi il faut que je range, le linge. Voilà, je l'ai mis là, mais à mon avis, ça va prendre là. Vous m'avez vu en gros plan là. Ah, j'ai mal à droite. Oh punaise. Bon, bah écoutez, je pense que je vais fermer. Voilà, ça va mieux comme ça. Bon, je pense que je vais fermer ce petit moment avec moi, 2 jours, je crois, ou 3 jours, je sais même plus ce que je fais. 3 jours, je crois. Non, je sais plus. C'est pas très grave. Voilà, c'est fini. C'est pas grave. Moi, comme ça, je vais vous laisser là. Et puis, demain, vous saurez, donc, je vais la poster aujourd'hui, hein, parce que j'ai déjà posté dans le cours ce matin. Donc, je vais la programmer pour demain matin. Vous l'aurez demain. Et puis après, je m'occuperai de la vidéo de Carrefour, enfin, pour la carte Carrefour. Et puis, j'aurai aussi un petit quelque chose à vous montrer qui se trouve là. Je suis en train de travailler pour vous. Regardez, je vais vous montrer un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça va être quelque chose que vous avez... C'est un point que vous allez pouvoir faire pour faire des chapeaux et une couverture. J'ai l'un d'entre vous qui m'avait demandé pour une couverture. Donc, ça, c'est un point que, bon, que j'ai trouvé, mais que je connais. C'est très facile. Très 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 facile. Et avec des grosses pelotes, enfin de la pelote épaisse, ça monte super vite. Donc je finis déjà celui-là, parce que je vais avoir 3 modèles différents à faire. Et donc je finis celui-là, et quand j'entamerai le deuxième, je montrerai le tuto en même temps. Voilà. Comme ça, vous aurez un tuto complet en fait. Je vais pas vous faire un bout par un bout. Mais je sais pas si c'est clair. Voilà. Moi, je vais faire un bonnet avec celui-là. Voilà. Comme ça vous donne une petite idée. Mais le point, vous pourrez l'utiliser pour une couverture. Il y aura juste le nombre de mailles chaînettes à grandir suivant la taille de la couverture que vous voulez. Voilà. Et puis, voilà. Parce qu'après, j'ai plus qu'une semaine de vacances. Et après... Après, c'est boulot, hein, donc je vais pas avoir beaucoup de temps, il faut que je me dépêche, j'ai quand même des choses à faire autres. J'ai la visite médicale à passer, tout ça, enfin bon, j'ai des trucs à faire, donc sûrement une transfusion aussi. Donc voilà, il faut que je fasse ça dans la semaine. Comme ça, ça sera fait, et puis je vais repartir d'attaque. Jusque au mois de décembre, normalement, si j'arrive à avoir quelques jours au mois de décembre, je vais essayer. Comme j'ai des jours à prendre, il faut que je récupère tout ce que j'ai pas pris l'année dernière. Donc, je pense que j'en poserai un petit peu au mois de décembre aussi. Au moins, essayer 15 jours. Tant pis. Pas sûr, on verra. On verra ça. Bon, enfin bref, je m'étale encore, comme d'habitude. Bon, en tout cas, je fais des vidéos et puis on se retrouve bientôt. Hein. De toute façon, là, il y aura... Ou comme aujourd'hui, je sais pas quelques journées, moi. 27, 28. Non, 26. Donc 26, 29, 30. Les enveloppes, je vous les ferai. Probablement vendredi prochain. Jeudi ou vendredi prochain, ça va dépendre. Une journée près, ça va être ça. Voilà, comme ça. Mais ça, je me ferai pas très long. Enfin, si la chaleur sera un petit peu longue. Comme je vais tout expliquer, puis je vais la faire en 2 temps, comme je vous avais dit. Je vais la vider, tout effacer, tout mettre à cœur, tout mettre à propre, pour que celles qui veulent commencer...
enfin quelque chose. Voilà, donc je pense que ça tout bien à son propre. Pour vous, ça sera plus simple. Donc voilà, bon, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse, parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle, qu'on n'a pas dire grand-chose, ceci dit. Mais bon, hein. Bon, je fais des gros visios et on se dit donc à très bientôt, je pense, bah, pour vous demain, parce que du coup, vous aurez la vidéo demain. Et puis, moi, après, probablement lundi, peut-être. On vous verra, hein. D'accord. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. Reposez-vous bien. Les chaises sont là parce que je viens de passer l'aspirateur. Hein. Je l'ai fait 2 fois par jour. Hein. Donc, je viens juste de le faire. Comme ça, c'est fait. C'est propre. Tout est OK. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Et cette fois-ci, je vous laisse. Et je vous dis donc à très bientôt.